trois cartouches chacun, tu vois. Ok. Ah oui, c'est content du truc, Rocheto. Donc comme ça, tu vois, t'as directement... Tu percutes, on va l'installer dedans. Et puis ensuite le centre, et ensuite on est... Mais là déjà, tu peux régler ta vie. Ok, donc amigo, t'as compris le principe. Tiens, ouais, bah y'a pas de raison, tiens, je vais vous partager ça, là, vite fait, là. Parce que j'étais en train de bricoler, là, ce soir, là, dans la cave, j'étais en train de nettoyer mes flingues, hein. Donc encore une fois, y'a pas de munitions dans la pièce. Alors même si vous voyez des boîtes, là, hein, parce que je vous connais, hein, les petits futés, là. Hey, il dit qu'il y a pas de munitions dans la pièce. C'est juste les douilles que j'ai récupérées, mon con, ok. Donc t'affole pas, hermano, y'a rien dans la pièce en munitions. Les armes sont checkées en sécurité, il n'y a rien, il n'y a pas de chargeur dans celui-là, il n'y a rien dans la chambre, et puis de toute façon il est en sécurité, et puis lui aussi il est vérifié, ok. Voilà, comme ça on part sur de bonnes bases pour discuter entre potes dans la cave. Bon bref, j'ai reçu un truc, et puis bon, bah, j'étais en train de le bidouiller, et puis je vais vous le partager, hein, les potes. Bon, j'espère que vous allez bien, vous avez reconnu ma voix de merde et ma sale ganache, c'est JP Vadana, ok. Tiens, petit plomb de merde. C'était marrant là, t'as les partous de plomb là. Attends, j'ai toute la lumière, c'est en vrai. Putain de culé, va Thierry de Marseille, enculé. Je sais pas pourquoi je dis ça. Bon, bref, vous avez vu ces petits plombs partouzeurs là. C'était marrant le test d'hier, hein. Tranquille, hein. Ouais. Donc, bon, hein, c'était bien fun. Donc, reprenons, qu'est-ce que je me suis commandé? Un cartridge Red Laser Bore Sighter. Ok, donc, quel. 38 et puis bah, 357 Magnum, parce que c'est le mètre diamètre. Pardon les potes, hein, je sors de repas. Petit rototo de digestion. Mais bon, hein, c'est mieux à l'extérieur qu'à l'intérieur. D'ailleurs, je sais plus qui c'est qui disait ça. Toupé contenu, furon clocu. Ok, donc tu lâches une bonne caisse, tu rotes. Bah, si t'es tout seul, hein, ou pas en vidéo comme moi je le fais, hein, faisons preuve de politesse, de sagesse et de respect envers ses abonnés chéris. Hein, donc bon, trêve de conneries. Donc, un laser que tu fous dans ta chambre, dans ton barillet les pattes, pour voir un peu la visée. Alors, j'ai payé ça pas très très cher, hein, le machin. Et bon, je me suis amusé à le foutre. Alors, vous allez voir, hein, donc t'as trois de petites piles dedans à mettre directement. Puis ça te permet, alors en théorie, enfin, c'est plutôt. En pratique, surtout, de régler tes éléments de visée, hein, tu vois, dessus. Surtout celui-là, ou le jour où tu veux foutre un point rouge dessus, ou quoi. Donc bon, ça te permettra de le régler correctement. Mais là, déjà, tu peux régler ta visée. Et vous allez le voir, les gars, on va l'installer dedans. Et, putain, c'est quand même jouissif de faire ça, les potes. Allez, inspecteur Harry, là. Comme le pain de mie. Mais déjà, en le foutant là, tu peux voir déjà que bah, ça confirme un peu nos dires avec l'instructeur de tir, avec Franck aussi, hein, j'ai fait des pétés avec Franck d'ailleurs. On a utilisé ce Excalibur Match, grand power, hein, putain, un chef-d'œuvre ce truc, franchement je le kiffe. Et ce qui est bonnard, c'est qu'on apprend à utiliser les armes. Et donc du coup, c'est la première, la première fois que je l'utilise sérieusement, parce que la première fois, c'est t'arrives avec tes catégories B, bon tu fais attention à tout évidemment, mais tu sais, t'es là, plus à bourriner à droite à gauche, c'est dans les gongs, que là, on voulait vraiment le prendre en main, sérieusement, pour la première fois, et puis découvrir un peu les capacités de la chose. Donc, ce que je disais, c'est que c'était assez excellent, de commencer à t'entraîner, à driller avec, et de connaître ton flingue, hein, c'est un bébé qu'il faut connaître, hein, de toute façon. Et c'est une part d'apprentissage qui est extrêmement intéressante, les copains. Ok. Donc, vous savez, je suis novice en utilisation de catégorie B. Bien que ça fait quand même un an, bon, je tire avec ceux des potes ou quoi. Mais bon, ça, c'est mon premier à moi, le vrai, et c'est cool. Donc, tu vois, on s'est entraîné à faire des groupements, tu vois. Donc, trois cartouches chacun, tu vois. Bam, 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 tu vois, on visait le 3, on visait le 4. D'ailleurs, big up à toi, Francky, là. Hein. T'as fait un beau doublé, mon fumier. Et puis ensuite le centre, et ensuite on s'est fini au gong, et on commençait à maîtriser le bidule. Et ouais, c'est putain d'agréable à tirer, la queue de détente elle est juste folle là-dessus. Et c'est vraiment une horloge le machin, ok. Donc passons, revenons à notre laser. Putain, j'ai la parlotte ce soir, la parole ou quoi là. En train de parler plus qu'un homme politique là, sauf que moi je vous raconte pas des mensonges.
Je ne suis pas un bonimenteur. Bon. Donc tu fous tes pilasses. Comme ça. Donc t'as un laser rouge, hein. T'es content du truc, Rocheteau. Ok. Tu visses. Mais alors gaffe, tu percutes pas dessus, hein, parce que le machin, c'est juste un bout de laiton, là, on dirait, là, un peu pourri, quoi. Tu percutes pas à vide, hein, surtout pas. Hein. Putain, ça crache la lumière, là. Ouais, puis si on a envie de bosser dans le noir, on bosse dans le noir, après tout. Donc voilà, donc il s'agit de le fourrer dans une chambre. Et voilà. Donc comme ça, tu vois, tu as directement ton laser qui est pris sur bah, ton canon, hein, directement. Hein. Donc comme ça te montre là où ton flingue tire. Et serait qui est regardé, ça correspond pas du tout avec la mire. Donc je l'ai tripoté un petit peu tout à l'heure. Donc bon, tu le mets en appui. Hein. Alors là, je vais pas le faire là parce que j'ai pas trop de distance, puis j'ai pas envie de trop de pointer ça dehors, même s'il n'y a pas de danger que le flingue il est safe. Mais bon, c'est question de principe. Putain, c'est le bordel là-dedans. Mais bon, pour essayer de te traiter mon gros. Bon, tu veux bien le caler, quoi, on va dire. Et puis, puis voilà, quoi. Donc, tu prends ton point. Et puis, tu viens bah, adapter ta mire dessus, tu vois. Donc, tu vois, on y est presque, là. Bon, là, on a à peine 5 mètres. Donc, je vais faire le test sur du placo, là, en long, en large, dans ma baraque. On se met à 15 mètres, 10-15 mètres, ouais. C'est ce que j'ai au bout du couloir, là. Et puis, puis voilà, quoi. Ok, donc amigo, t'as compris le principe du truc. Et c'est vrai que, bah, comme je te disais, ça correspond à notre ressenti, nous, avec Franck et les autres potes qui l'ont essayé, ce Taurus. C'est qu'il tirait un peu en bas. Et oui, et c'est vrai qu'en adéquation avec le machin, là, on se rend compte que c'est ça. Donc voilà, donc, toi, t'es là comme un cul. Ah, l'autre cul! Non, c'est pas, c'est pas moi l'autre cul. Voilà, donc tu as une petite molette ici pour régler, tu vois, ta hauteur de ta hausse. Et voilà, tout simplement. Ok. Alors oui, ce qui fait chier, c'est que là, on aurait bien aimé avoir, je sais pas, moi, un point en... Tu sais, là, bah, comme celui-là, là, en... Oh putain, je perds mes mots. Enfin bref, tu vois bien, quoi, en filin, là, fibre optique, voilà, je cherchais le mot. Mais bon, ça va, qu'on s'en plaint pas. Ok, les potes? Bon, bah, c'était pour le petit partage, hein, rien de fou ce soir. Et puis voilà, donc je vais régler ça tranquillement. Mais bon, je vais me mettre en condition tranquille. Et puis voilà quoi, ok les gars. Bon, allez, c'était la petite vidéo juste pour vous partager la petite astuce. Ah oui, j'avais vu une vidéo d'un mec là, qui a une chaîne, là, Brutal Prepper, je crois. Il avait montré sur sa petite chaîne. Big up à toi. Je vais certainement m'en commander une et vous montrer. C'est une cartouche laser aussi qui est du même style. Mais le truc, tu choisis ton calibre, vous allez, à mon avis, connaître ce que c'est. Et donc, tu as un laser, tu le fous dans ta chambre directement. Et ça te permet, via une application, de t'entraîner au tir rien qu'avec cette cartouche chez toi. Donc, c'est plutôt pas mal le truc. Donc. J'ai trouvé son idée bonne, donc big up à toi, hein, je vais tester ça et puis je vous le présenterai aussi, ok? Donc voilà les copains. Bon allez, on se laisse sur ces images. On va remettre les bébés au cofio en sécurité. Et puis voilà. Voilà ce qu'il en est de cette petite laser rouille bidouille. Ok? Bon bah voilà, c'était pour vous faire le petit partage du soir, les copains. Allez, bye! Prenez soin de vous les gars, et puis bise, et vive la passion du tir.